décider, planifier, agir. Il y a quelques années, investir était un défi très difficile à surmonter pour les jeunes entrepreneurs. Manque de financement, manque de garantie pour prendre un prêt, manque de formation adéquate en entrepreneuriat. Maintenant, la jeunesse est disposée à faire changer les choses avec tous les moyens à sa disposition sans s'inquiéter des limites des possibilités financières. Il était temps que les choses changent. Grâce au concours Les Sommets, je me suis vraiment lancée. Aujourd'hui, j'ai une entreprise à Kisantou. J'ai une entreprise à Kisantou où je fais les fabrications des mégis ainsi que mes boissons sirop. J'aimerais juste savoir qu'est-ce qu'elle fait des feuilles de manioc. Je vends en gros, mais pas dans des emballages comme ça. Parce qu'à Kinshasa, c'est compliqué. À Kinshasa, quand tu vends des produits emballés comme ça, des sommets comme ça, les gens n'achètent pas. Et moi, je cherche l'argent. Un jeune doit être un chasseur d'opportunités. Ça veut dire que quand vous voyez un besoin, vous devez directement venir proposer une solution. Pour être entrepreneur au Congo et dans le monde, il faut répondre à un besoin. Je voudrais d'abord féliciter M. Passy pour les intimes parrains. Je le connais, mais pas dans ce cadre. Il m'a émerveillé, étonné. Et je viens de constater que il y a beaucoup d'idées innovatrices parmi nos jeunes qu'on vient tout à l'heure de congratuler. Mais quelque chose manque, c'est le soutien.